אז כמו תמיד זה כבוד גדול בשבילנו לארגן עוד ערב אחד במסגרת הערבים שאנחנו מארגנים במרכז לתיעוד יהדות צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה שהוא חלק ממכון בן צבי והיום יש לנו אורח מאוד חשוב את פרופסור אלן שורקי שאני מיד אציג אותו בצרפתית מי שרוצה אוזניות לתרגום יכול לקבל אוזניות בסוף וכל השאר אני מקווה שיהיה בסדר למי שלא יודע אנחנו נמצאים בצריף הנשיא הנשיא יצחק בן צבי גר במקום הזה במתחם הזה כאן והמקום הזה שאתם יושבים בו היה אולם ההתכנסויות הרשמי של מדינת ישראל את המשלחות השונות הוא קיבל באולם הזה וכמו שכתוב בחוץ רחל ינאית אמרה את הדברים אם העולים במעברות גרים באופן שבו הם גרים אני לא יכול לגור בבית אחר והוא נתן דוגמה אישית ואמר אנחנו נגור בבית כזה בצריף מעץ שהיום הפך להיות מקום לשימור היסטורי של מדינת ישראל אז תודה רבה שבאתם תודה רבה לכם אלה שמשתתפים איתנו בזום וברשותכם אני אעבור עכשיו לצרפתית. Cher monsieur le professeur Alain Chouraki, cher comité de direction de Yad Ben Tzvi, chers invités et chers amis, j'ai l'honneur d'ouvrir la soirée qui marque la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Je tiens tout d'abord de vous remercier, professeur Alain Chouraki, d'avoir accepté notre invitation et participé à cet événement annuel que nous organisons à l'Institut Ben Tzvi de Jérusalem. Nous sommes très touchés et très honorés. Le professeur Alain Chouraki est président de la Fondation de Caen 2000, Mémoire et Éducation, directeur de recherche émérite au CNRS, fondateur et titulaire de la chaire UNESCO Éducation et Citoyenneté, Sciences d'Homme et Convergence des Mémoires. Ce soir, le thème principal que nous allons aborderons sera consacré à la mémoire, à l'éducation et la lutte contre les identités extrémistes. J'ai visité le camp 2000 l'année dernière, j'ai parcouru les espaces où sont présentées les expositions de la mémoire et le message pédagogique. Et j'ai été impressionné par le travail sérieux de préservation de la mémoire et l'éducation éducative qui accompagne les expositions. Monsieur Chouraki, tant que je sais, a joué un rôle important dans la conception du musée tel qu'il est aujourd'hui et nous en prendrons plus ce soir. Je tiens à remercier mes collègues au Centre de documentation des Juifs d'Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale à l'Institut Ben Tzvi pour leur travail dévoué qui ont rendu cette soirée possible dans un temps très court pour nous. Merci également, cher public, dans la salle et sur le Zoom d'avoir participé à nos activités pendant des années. C'est grâce à vous, à votre intérêt croissant, que nous poursuivons notre activité. Celle-ci vise à comprendre ce qui est arrivé aux Juifs d'Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous souhaite tous une soirée intéressante et enrichissante. Je voudrais maintenant inviter M. Georges Dinet, conseiller de coopération de l'action culturelle et directeur de l'Institut français en Israël, à l'ambassade de France en Israël, certainement. Je le remercie vivement d'avoir accepté de participer à l'événement. J'espère que cette occasion sera le début d'une collaboration fructueuse entre nous. M. Georges Dinet, je vous donne la parole, s'il vous plaît. אתם מעלים אותו? מי? יניב, נכון? לא, ג'ורדי. שאני לא רואה.
פה נמצא אותה. עוד רגע. אוקיי. Bien. Très bien, merci beaucoup mesdames et messieurs les professeurs, honorable assemblée, chers amis. Je suis très honoré de prononcer quelques mots à l'occasion de cette journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Et je voudrais évidemment saluer cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de cette journée internationale et dire également quelques mots généraux concernant l'Holocauste qui a profondément affecté les pays dans lesquels les crimes nazis ont été perpétrés, avec des implications et des conséquences universelles dans de nombreuses autres parties du monde. Nous partageons, nous toutes, nous tous, la responsabilité collective de traiter les traumatismes résiduels et nouveaux, de maintenir des actions de commémoration efficaces, de promouvoir l'éducation, la documentation et la recherche, plus de 7 décennies après le génocide. Cette responsabilité implique de faire connaître les causes, les conséquences et la dynamique de ces crimes afin de renforcer la résilience des jeunes face aux idéologies de la haine. Alors que des atrocités continuent de se produire et que nous assistons à une montée mondiale de l'antisémitisme et des discours de haine, votre action, mesdames et messieurs, est plus que jamais cruciale. Nous avons tous et toutes un rôle majeur à jouer. Inutile de revenir sur le contexte dont nous sommes tous conscients. La barbarie et l'antisémitisme qui reviennent. Les mémoires qui s'estompent avec les disparitions des derniers rescapés. Les doutes et interrogations sur ce Moyen-Orient en fracas et sur l'Europe elle-même, fille des horreurs que nous avons vécues. Plus que jamais, il faut rechercher, exposer, expliquer, transmettre, s'indigner chaque fois que nécessaire sur toutes ces questions qui vont bien au-delà de l'Holocauste. C'est l'avenir de nos démocraties, nos valeurs, notre humanisme qui sont en cause. Si nous voulons construire avec nos voisins pour que jamais ne se répètent les crimes commis sur le continent européen par le passé lointain et récent, si, comme l'a dit l'historien Antoine Prost, nous voulons être les acteurs de notre propre avenir, nous avons d'abord un devoir d'histoire. Se pencher sur l'histoire, la petite et la grande, celle des grandes figures comme celle des anonymes, c'est essayer de comprendre le présent et de regarder vers l'avenir. Il n'y aura bientôt plus de survivants de l'Holocauste. Votre démarche contribuera à fixer la réalité des faits face à ceux qui la mettent en doute ou instrumentalisent le passé comme le présent. Merci, Toda Rabba. Merci beaucoup. Les filles d'honneur. Il y a les garçons d'honneur, il y a les filles d'honneur. למי שמצטרף אלינו בזום, לרגע יש כאן את ההוראות כיצד מקשיבים לתרגום. ונמשיך. Merci beaucoup, Monsieur Georges Dinier.
Et maintenant, je souhaite donner la parole à monsieur, à Dr Yaniv Mezuman, le directeur général de l'Institut Ben Tzvi. S'il vous plaît, il parlera en hébreu, tu pourras écouter. Merci, Georges. יניב, אתה יכול לדבר? יניב. שלום. שלום לכולם. תודה רבה. מרסי בקו. שומעים אותי? כן. פרופסור חיים סעדון, הזכרת שאנחנו בזמן מלחמה במדינת ישראל, זה לא זמנים קלים. לכן ההרצאה היום היא חשובה לנו מאוד. לציון יום השואה הבינלאומי אנחנו מארחים, שהזכרתם ביד בן צבי, את פרופסור אלן שורקי, להרצאה בצריף הנשיא ההיסטורי, ביוזמתכם, ביוזמת מרכז התיעוד של יהדות צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה, במכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח. הזכרתם פרופסור שורקי, הוא נשיא קרן מחנה מיל, מייסד ומחזיק קתדרת אונסקו לחינוך לאזרחות, מדעי הרוח וזיכרונות משותפים. פרופסור שורקי יציג בהרצאתו מודל רב תחומי למאבק בעלייה בגזענות, האנטישמיות, וידון בדרכי המאבק במגמות קיצוניות בימינו. מחנה מיל היה במקור מפעל עריכים בדרום צרפת, שהנאצים הפכו למחנה מעצר לגרמנים, לאוסטרים, ביניהם גם אנשי רוח בולטים. ב-1941 הפך האתר מחנה מעבר לעצירים יהודים בדרכם למחנות הריכוז והשמדה. מאז 1993 המקום משמש אתר הנצחה. המחנה עוסק בעיקר בפעילות חינוכית חשובה, שמטרתה לבחון צעדים שננקטים בחברה, ומעידים על שינוי החברה והפיכה לפשיסטית, ומהם צעדים שגם כל אחד מאיתנו יכול לנקוט בנסיבות אלו. המוזיאון מציג דמויות של יהודים אשר נקטו צעדים מסוימים בתקופת מלחמת העולם השנייה, ולצעדים שלהם הייתה השפעה. ההרצאה והפעילות של מרכז התיעוד נעשית בין היתר בזכות התמיכה של ועידת התביעות, ואנחנו מודים להם על השותפות. ההרצאה, כמו שהזכרתם, תהיה בשפה הצרפתית, בתרגום סימולטני לעברית, אז מי ששאל כאן בזום, עוד מעט תהיה תרגום לפי ההוראות. פרופסור חיים סעדון, אני רוצה להודות לך ולכל הצוות שלך על ההובלה של מרכז התיעוד. אני חושב שזה מחקר חשוב מעין כמותו עבורנו, עבור החינוך ועבור העולם כולו. זה מחקר ייחודי, זה מחקר חשוב שממש מציב תשתית ונותן גם הבנות עמוקות על המצב שלנו ועל מה שקרה במלחמת העולם השנייה בצפון אפריקה. אני רוצה להודות לפרופסור מירם פרנקל, ראשת מכון בן צבי חקר קהילות ישראל במזרח, לדוקטור אסף תמרי, סגן ראשת המכון, ולכל צוות יד בן צבי. ולסיום, אני רוצה להודות לפרופסור שורקי שנעתר לבקשתנו, ובימים האלה שהזכרנו שהם ימי מלחמה, נמצא איתנו כאן בבית הנשיא ביד בן צבי בהרצאה כל כך חשובה, שאני בטוח שתהדהד הלאה גם בחינוך, גם ביד בן צבי, ותהיה לה השפעה. תודה רבה חברים, ואני מצפה להרצאה. Merci beaucoup, Dr. Yaniv Mezuman. Merci beaucoup, Dr. Yaniv Mezuman, le directeur général de l'Institut Ben Tzvi. Et maintenant, j'ai l'honneur d'inviter le professeur Alain Chouraki, qui nous parlera au sujet « Face aux extrémismes identitaires, l'histoire alerte la démocratie et les Lumières ». Après la conférence, il y aura des temps pour quelques questions depuis la salle et sur Zoom.
Et vous voulez bien envoyer les vos questions sur Zoom et nous transmettons au professeur Chouraki les questions. Professeur Chouraki, s'il vous plaît. Chers amis, dans la salle, dans cette salle si forte et si symbolique, chers amis en Zoom, monsieur le professeur Saadoun, et je tiens à vous remercier pour cette invitation qui m'honore, et qui m'honore particulièrement dans le contexte actuel où nos énergies, nos intelligences, nos espoirs, nos luttes doivent converger, nous allons en reparler, pour que malgré tout, l'espoir l'emporte, et pour que malgré tout, les valeurs auxquelles nous sommes attachés en Israël et en France continuent d'être vivantes, défendues et d'être probablement les meilleurs boucliers contre la barbarie qui, sous des formes diverses, nous atteint aussi bien en France qu'ici, bien sûr, en Israël. Je voulais remercier aussi l'équipe du professeur Saadoun, je voulais remercier le directeur général qui vient de, dont les mots m'ont touché, monsieur le conseiller culturel, qui confirme aussi les problématiques convergentes que nous pouvons rencontrer en France et en Israël sur les terrains qui ont été déjà évoqués et que nous essaierons d'approfondir un peu. Et je dois vous dire qu'en ce qui me concerne, j'attends évidemment beaucoup des questions et des échanges, tout simplement, que nous pourrons avoir après la conférence que je vais présenter. Donc encore une fois, merci de m'avoir donné cette occasion de parler ici et maintenant et de vous entendre aussi, encore une fois, avec beaucoup d'intérêt et de curiosité. Il m'a été demandé donc de vous présenter ce que l'expérience à la fois pédagogique et citoyenne de la fondation du Camp des Milles, qui porte le site mémorial du Camp des Milles, ce que cette expérience pouvait avoir de particulier. Et je sais que plusieurs d'entre vous sont spécialistes, et notamment nos amis et partenaires de Yad Vashem, qui sont pour certains dans la salle, pour certains en Zoom. Nous partageons beaucoup d'objectifs communs, beaucoup d'intérêts communs, et c'est dans ce contexte-là assez large d'un partenariat d'intérêts convergents que je vais vous présenter ces éléments sur les manières de faire, je dirais, et la conception de muséographique et pédagogique du site mémorial du Camp des Milles. Alors d'abord l'histoire. Elle a été évoquée rapidement. Je voudrais y revenir pour apporter quelques précisions. D'abord, le Camp des Milles, qui se trouve entre Aix-en-Provence et Marseille, était le plus grand camp d'internement et de déportation du sud de la France, l'un des sept plus grands, je dirais, dans toute la France, et lui-même était entouré d'une galaxie, comme nous disons, d'une galaxie de camps moins importants qui nourrissaient le Camp des Milles, si je puis dire, en internés ou éventuellement en déportés, et sur lesquels d'ailleurs le Camp des Milles se déversait en quelque sorte lorsqu'il y avait trop d'internés ou trop de déportés. C'était entre 1939 et 1942, bien sûr, les déportations, j'y reviendrai, étaient à la fin de cette période. Mais les dates que je viens d'indiquer vous montrent une chose qui est importante. Ce ne sont pas les nazis ni les Allemands qui ont ouvert le Camp des Milles. Il n'y a jamais eu de nazis ou d'Allemands occupant au Camp des Milles. Le Camp des Milles a fermé au moment de l'occupation allemande de la zone sud. Donc, sur le plan pédagogique, pour nous, Français, il est essentiel de montrer ce que je viens de dire, ou de le rappeler, pour rappeler aussi que tous les peuples, y compris le peuple français, ont pu, et peuvent encore, déraper
dans le racisme, l'antisémitisme, la violence et l'horreur. Tous les peuples. Bon. Selon, bien sûr, toute une série d'éléments qu'on va essayer d'analyser, et notamment selon des circonstances plus ou moins difficiles que peuvent vivre ou ressentir, à tort ou à raison, ces peuples-là. Donc, pédagogiquement, vous voyez l'importance. On ne peut pas, au camp des mille, mettre la responsabilité sur les nazis. La responsabilité était franco-française, la responsabilité était pétainiste, donc le régime de Vichy, collaborateur des nazis, et donc la pédagogie est particulièrement importante. C'est aussi une des raisons, j'y reviendrai peut-être rapidement, pour lesquelles il nous a fallu plus de 30 ans, entre 1982 et 2012, pour faire émerger ce site mémorial du camp des Mille. Parce que beaucoup, à l'époque, c'est plus du tout le cas maintenant au niveau des autorités publiques, beaucoup à l'époque ne voulaient pas rappeler cette responsabilité française. Et même si nous disions et répétions que le but n'était pas de nous battre la coulpe en tant que Français, en expliquant qu'on avait été, que la France avait été collectivement responsable aussi, eh bien, même si nous répétions que c'était pour justement montrer, y compris en France, qu'aucun peuple n'était à l'abri et que c'était trop facile, en quelque sorte, de mettre toute la responsabilité sur les Allemands, malgré cela, pendant 30 ans, il a fallu vraiment se battre pour faire émerger ce lieu. Alors je reviens à l'histoire en vous disant que cette période de 1939-1942, donc la période d'ouverture du camp des Mille, est une période où l'on peut distinguer trois étapes, trois phases. Une première phase, 1939, où c'est la 1939-1940, pardon, où c'est la République en guerre avec l'Allemagne, qui ouvre le camp, et qui ouvre le camp pour des ressortissants ennemis. Bon, c'est-à-dire des ressortissants essentiellement du Reich allemand qui était en France, et j'allais dire c'est presque normal, on peut le comprendre, que la guerre éclatant entre le Reich et l'Allemagne et la France, il est très compréhensible que l'on interne, comme les Américains ont interné les Japonais, que l'on interne des ressortissants allemands qui étaient considérés comme suspects. Bon, on voit déjà d'ailleurs que sous cette notion de suspect dans une période de crise, bah, on a mis n'importe qui et n'importe quoi, puisque en pratique, 90% des internés allemands du camp des Mille étaient antifascistes, anti-nazis, proches de la France, désireux pour la plupart d'entre eux de servir dans, dans l'armée française et volontaires pour y servir. Donc on voit déjà, par rapport à nos valeurs de justice et de justesse, elles ne vont pas toujours de pair, on voit déjà l'injustice que pour 90% d'entre eux, réfugiés en France avant la guerre, pour fuir le nazisme, on voit l'injustice qu'il y avait pour eux à être enfermés par la République française. Certains se sont même suicidés dans cette période. Je pense notamment à l'écrivain Eisenkleber, qui était très, très connu en Allemagne à l'époque, et qui s'est suicidé devant cette absurdité d'être enfermé par des amis. Bon, ça c'est 39-40, je vais rapidement sur cette période, même s'il y a beaucoup à en dire. Il y avait déjà à cette époque au camp des Mille de très nombreux artistes et intellectuels, très nombreux, qui ont laissé plus de 500 œuvres dont on a retrouvé la trace. Pour la plupart, on en trouve régulièrement des œuvres, des dessins, des peintures, des sculptures. Il y avait Max Ernst, un des principaux fondateurs du surréalisme. Il y avait Leon Feuchtwanger. Il y avait, bref, beaucoup d'artistes et d'intellectuels. Et certains historiens considèrent que le camp des Mille, avec le camp de Térésine, ce sont les deux camps en Europe dans lesquels il y avait le plus d'artistes et d'intellectuels. Bon. Ce qui a impliqué aussi une leçon formidable. C'est sur place, dans le camp, une résistance par l'esprit. Pour rester digne et humain face à une entreprise de déshumanisation, eh bien,
ces intellectuels et ces artistes ont continué à peindre, à enseigner, à dessiner. Bon, alors évidemment, pas dans les jours concrets de la déportation, mais pendant toutes les trois années du camp, cette résistance par l'esprit, par la création, qui correspond d'ailleurs à un des axes majeurs de notre action maintenant, un axe culturel, hein, où nous continuons à essayer de faire sentir ce qui s'est passé, et pas seulement de l'expliquer, de le faire sentir par l'art, par la culture, comme eux ont pu le vivre et le sentir. Bref, cette présence forte d'artistes et d'intellectuels, allemands, autrichiens, du Reich, était un élément marquant du camp des Billes. Donc cela, dès 1939, encore une fois, un gouvernement français républicain met en guerre, si je puis dire. Et donc, du coup, vous le savez, en guerre, on est moins regardant, on a des raisons de bousculer les droits humains, les droits individuels. En tout cas, c'est un risque que n'a pas évité le gouvernement français à l'époque. Et puis arrive en 1940 le gouvernement de Pétain, après la défaite cuisante sur le plan militaire en France, à la bataille de France. Et là, ma foi, une leçon formidable, c'est que Pétain, antisémite bien avant d'être complice des nazis, Pétain n'a eu qu'à se baisser, si je puis dire, pour récupérer ce que l'évolution de la République et de la démocratie avait déjà produit, c'est-à-dire une certaine xénophobie, un rejet de l'autre. Donc Pétain s'est appuyé là-dessus presque naturellement. Un antisémitisme qu'on n'avait pas vraiment combattu sous la République. Des textes comme un décret sur les indésirables, entre guillemets, un décret qui avait été signé par Daladier avant, en 1938, avant même la guerre. Donc, les crispations politiques et identitaires de rejet des étrangers et de l'autre avaient commencé déjà à gangrener les esprits français. Et puis, Pétain n'a eu qu'à se baisser là aussi pour ramasser cet élément essentiel qui était les camps ouverts par la République pour les suspects allemands ou supposés allemands, je vais y revenir. Alors, bien sûr, quand un pouvoir autoritaire non démocratique arrive au pouvoir dans un esprit ou porté par un état d'esprit xénophobe, raciste, antisémite, eh bien, il va plus loin. Mais, suivant le cas, il y va plus ou moins vite et plus ou moins fort. Et là, quand on regarde de près ce qui s'est passé au village des Milles, à Aix-en-Provence, à Marseille, etc., on s'aperçoit que la réaction contre l'extrémisation de l'antisémitisme, de l'autoritarisme par Pétain, etc., les réactions ont été faibles aussi parce que les esprits étaient déjà habitués. Bon. Donc, Pétain intervient, il élargit la liste de ceux qui sont internés. Il commence, lui, enfin son régime et ses hommes, ils commencent à s'apercevoir très vite que 90% des internés sont des vrais antifascistes. Et donc, lui, il a de bonnes raisons de les enfermer, puisque ce sont des ennemis du nazisme dont il est complice, et des ennemis du fascisme qu'il porte lui-même, de l'autoritarisme. Et donc, du coup, les choses redeviennent cohérentes, hélas, c'est-à-dire qu'on garde tous ceux qui auraient pu espérer un jour être reconnus comme innocents et même comme amis par la République. Et pendant 2 ans, on a, en plus de ces Allemands, dont tous n'étaient pas juifs, loin de là, je dirais même qu'à peu près la moitié était juif, la moitié ne l'était pas, bah, petit à petit, évidemment, on intègre des opposants politiques de Pétain, des communistes italiens, des anciens des brigades internationales qui ont combattu en Espagne. Bref, tout cela constitue un petit monde, si je puis dire, un petit monde au camp des Milles, d'opposants
aux dictatures, d'opposants au nazisme, au fascisme, au franquisme, et parmi lesquels, évidemment, beaucoup de juifs. Pendant ces deux années, le statut des juifs n'était pas particulièrement, tellement plus mauvais que celui des autres, c'est-à-dire que comme les autres, il y avait de la famine, des maladies, malgré la présence de d'organismes de secours comme l'OSE, certains ici les connaissent bien. Malgré l'intervention de ces organismes de secours juifs et non juifs, notamment pour certains américains, on avait un régime qui n'était pas j'allais dire insupportable, même s'il y a eu beaucoup de morts, même si certains rapports montrent que c'était probablement un rapport d'une autorité française dit que c'était probablement le camp le plus dur avant les déportations en comparaison à d'autres camps comme Gurs, etc. On va pas faire une concurrence des duretés de camps, mais c'était un camp dur, bon, difficile, de plus en plus difficile. En particulier, ce qu'il faut noter, c'est que les déportations qui interviennent, et c'est la troisième étape, à la fin de l'histoire du camp des Mille, en août et septembre 1942, je répète, avant l'occupation de la zone sud, c'est-à-dire de la zone du camp des Mille, par les Allemands, ces déportations n'ont concerné que les Juifs, bien sûr, c'est dans le cadre de la Shoah, n'ont concerné que les Juifs, et il faut préciser deux choses. On dit souvent, trop souvent, qu'il s'agissait de Juifs étrangers, ce qui conduit certains extrémistes de droite en France aujourd'hui, y compris Zemmour, qui conduit à dire que Pétain aurait protégé les Juifs français. Eh bien, non seulement il ne les a pas protégés, mais il a dénaturalisé un très grand nombre de Juifs français pour ensuite les considérer comme étrangers ou apatrides et pouvoir dire jusqu'à aujourd'hui qu'il a protégé, il n'a fait partir que des étrangers. Non, je ne suis pas Pétain et je ne parle pas comme Pétain en disant que Pétain n'a déporté que des étrangers. Non. Il a aussi déporté des gens qui, pour moi, sont toujours français, qui, pour la France républicaine, étaient français, et qu'il a, encore une fois, dénaturalisé pour pouvoir mieux les déporter. Il y a un cas encore plus clair. C'est le cas des enfants. Pétain et son régime ont proposé les enfants que les Allemands ne demandaient pas, ou pas encore, en tout cas, ils ont mis 2 mois à accepter la proposition de Pétain de prendre les enfants. Et ces enfants, pour la plupart, étaient des enfants nés français. Et même pas dénaturalisés. Donc, qu'on arrête un peu partout à adoucir, si je puis dire, le rôle de Pétain, la responsabilité de Pétain. Non, il y avait une responsabilité propre de ce qu'on appelait à l'époque l'État français, et je répète, cela prouve qu'il n'y a pas que les Allemands qui ont pu déraper, et déraper est un mot gentil, et qui ont pu commettre des horreurs. Bon. Donc, sont partis en août et septembre 1942 des Juifs, uniquement des Juifs, qualifiés d'étrangers, et à partir de l'âge d'un an, parce qu'il y a eu une interprétation extensive de la proposition de Pétain, qui proposait les enfants à partir de 2 ans, mais tant qu'à faire, pourquoi ne pas les prendre à partir d'un an, d'autant plus qu'on ne savait pas trop quoi en faire de ces petits-enfants. Bon, je ne veux pas ajouter des choses atroces, mais quand les enfants ont été déportés du camp des Mille, en attendant la réponse allemande, on les a gardés dans des camps près de Paris. Et quand les Allemands ont dit « oui, on veut bien les prendre », c'est-à-dire pour les tuer, bien entendu, et pour les assassiner à Auschwitz, puisque les déportés du camp des Mille ont été assassinés à Auschwitz, lorsque donc le feu vert est arrivé des Allemands,
après beaucoup d'insistance de Dannecker, qui était le SS en charge des questions juives en France, lorsqu'ils ils ont été le feu vert est arrivé, eh bien on a mis ces bébés, ces enfants avec des femmes juives qu'on a voulu présenter comme leur mère, alors qu'elles n'avaient pas de lien de parenté, pour donner l'impression, l'horreur n'a pas de limite, que on était humain, puisque on déportait des familles ensemble. Bon, et vous imaginez ces pauvres gosses avec des femmes qu'ils ne connaissaient pas et ces pauvres femmes avec des enfants qu'on prétendait être les leurs. Bref, ça en rajoute à l'horreur. Donc voilà, si vous voulez, l'essentiel de, en très résumé, les historiens me pardonneront, l'essentiel de l'histoire du camp des Mille. À partir de là, on a eu à peu près 40 ans de silence sur cette histoire, d'occultation. Je précise aussi, parce que j'ai peur de l'oublier, mais c'est important, le camp des Mille est aujourd'hui le seul grand camp français d'internement et de déportation encore intact. Je vous répète, on s'est battu 30 ans, mais c'est le seul aujourd'hui qui est intact. Est-ce qu'on a une... Ah non, vous pouvez passer le premier slide, s'il vous plaît. Merci. Donc, une des raisons d'ailleurs pour lesquelles le camp est intact, c'est que c'était une tuilerie bien solide, dont l'activité industrielle a repris comme si de rien n'était après la guerre. Et c'est d'ailleurs la reprise de cette activité industrielle, la reprise un peu indécente, mais c'est ainsi, qui a conduit à, en fait, à préserver, de fait, l'essentiel. L'essentiel, y compris les dessins à l'intérieur sur les murs, les messages et une grande partie des peintures. Bon. Donc, je vous disais, pendant 40 ans, le silence. Occultation volontaire, involontaire, oubli. Bon, beaucoup d'occultation. Il ne fallait pas remuer ce passé difficile. Et aussi une orientation française tout à fait compréhensible et légitime après la guerre de vouloir reconstruire. Reconstruire, c'est ne pas trop se retourner sur les horreurs du passé. Reconstruire, c'était affirmer le plus fort possible que la France et les Français avaient été résistants. On a eu à l'époque le début d'un grand nombre de musées de la résistance dans beaucoup de communes, des petites villes, des grandes villes, bien sûr, etc. L'orientation était à la mise en avant de la résistance. De Gaulle y a veillé, c'est lui évidemment qui a assuré le gouvernement de la France après la guerre, et il voulait au fond redonner aux Français leur fierté, la fierté d'avoir résisté. Quelque part, j'allais dire, tant mieux, c'est une manière de dire aussi qu'il fallait résister à cette horreur nazie et pétainiste. Donc, en creux, ça renvoie quand même à des valeurs qui sont les nôtres, mais évidemment, au détriment de la vérité des déportations, et notamment des déportations de juifs. Et puis, à partir des années 70... Alors, je ne parle pas des historiens qui ont, pour quelques-uns d'entre eux, travaillé immédiatement, dont Serge Klarsfeld, qui est le vice-président de la fondation que je préside. Serge Klarsfeld aussi a évidemment travaillé dès après la guerre sur ce qui s'était passé, y compris au camp des Mille, mais encore une fois, c'était un travail universitaire et de recherche, des travaux universitaires et de recherche. Bon. On a eu ensuite, dans les années 70, un virage, si je puis dire. On a commencé à s'intéresser, en France, aux déportés résistants. On est passé donc de l'accent mis sur la résistance à l'accent mis sur les déportés résistants. Donc on commence à entendre le mot de déporté. Bon. Et puis, les années 80 sont arrivées.
une génération était passée. Il était plus facile de parler des faces sombres, de la face sombre de cette histoire. Plus facile, mais pas complètement facile, puisqu'il nous a fallu encore 30 ans. Bon. Donc une génération était passée et réémergée l'extrême droite. Dans le début des années 80, Jean-Marie Le Pen a failli à deux voix près être président d'une des plus grandes régions de France, la région donc, du Camp des Milles, la région sud-est, la région qu'on appelle PACA aujourd'hui, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis l'attentat de Copernic. Bref, des attentats antisémites. Et à cause de cette renaissance de l'antisémitisme, certains anciens déportés, dont Simone Veil, qui a soutenu et porté aussi notre projet, ont commencé à parler, alors qu'ils parlaient peu. Ils parlaient entre eux, ils avaient essayé de parler, vous le savez, juste après la guerre, on les a plus ou moins écoutés, chacun sortait de choses à ses yeux difficiles. Bon, là, les anciens ont commencé vraiment à parler et à expliquer, parce que on a vu que le plus jamais ça n'était pas acquis, loin de là, et qu'on voyait redémarrer l'antisémitisme violent. Du coup, on est passé, vous l'avez compris, dans l'esprit, dans la conscience collective, des déportés résistants aux déportés tout court. Et dans les déportés tout court, bien sûr, les déportés juifs. Et c'est à ce moment-là que nous sommes intervenus, un certain nombre d'entre nous, d'anciens résistants et déportés, dont mon père, Sidney Chouraki, engagé volontaire dans les forces françaises libres en Libye, puis après tout le chemin avec Leclerc, débarquement de Normandie, Paris, Berchtesgaden, le nid d'aigle d'Hitler, bon, on en parlera peut-être, parce que évidemment ça a beaucoup porté la volonté de faire émerger ce lieu. Donc quelques anciens résistants et déportés, déjà la génération suivante que je représente encore maintenant, se sont dit on ne peut pas ne pas réagir et il faut nous appuyer sur l'histoire et la mémoire. Et à ce moment-là, le hasard des choses a fait que le sous-préfet d'Aix-en-Provence appelle le président de la communauté juive et lui dit « Je ne peux rien faire parce que c'est une propriété privée, mais sachez qu'une partie du camp des Milles va être rasée parce qu'il y a des projets d'autoroute, etc. Bon, c'est une tuilerie privée, je voulais vous prévenir. » Et le président de la communauté juive, qui était une communauté reconstruite après le rapatriement dans les années 60, le rapatriement d'Algérie et d'Afrique du Nord, le président de la communauté juive dit au sous-préfet « De quoi me parlez-vous ? » « Bah, du camp des Milles. » Qu'est-ce que c'est que le camp des Milles ? » Absolument pas au courant. Donc l'occultation était allée très loin. Et donc ce président de la communauté appelle mon père, ancien résistant, en disant lui peut-être ancien combattant, il a peut-être des infos. Mon père en avait eu un peu parce qu'il avait été contacté par un vrai faux historien, ne me faites pas entrer dans cette bagarre-là, qui heureusement est éteinte maintenant. Donc il avait été un petit peu au courant de l'existence du camp, mais pas plus. Il appelle son grand-fils, moi-même, pour dire « Est-ce que toi, t'as des... » Enfin, bref, on ne savait pas. On ne savait pas, mais très rapidement, on a compris qu'il y avait là, par rapport à notre souci de maintenir la mémoire et de faire un lieu de compréhension de ce qui était arrivé, de ce qui pouvait encore arriver, on a compris que c'était quelque chose d'important. Et en l'espace de quelques jours... Moi, il se trouve que le président Mitterrand m'avait donné des fonctions par rapport à la montée de l'extrême droite, un bilan de l'extrême droite dans les années 70-80. Donc je connaissais des cabinets ministériels et j'ai pu assez rapidement, c'était Jacques Lang qui était ministre de la Culture, voir son chef de cabinet, lui dire « Écoutez, moi je ne sais pas ce que je vous demande de préserver ou de sauver, mais apparemment il y a quelque chose d'important qui risque d'être détruit, stoppez !» Essayer de prendre. Et donc un arrêté a été pris, qui est un arrêté d'inscription provisoire à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, pour geler les choses. Les motards sont arrivés un vendredi avec l'arrêté sur place, alors que les bulldozers étaient
allait intervenir le lundi. Bon, pourquoi je vous en parle ? Parce que dans la plupart des camps français, ils n'ont pas eu cette chance, si je puis dire. Les camps ont été détruits, ou quasiment détruits, pour la plupart d'entre eux. C'est pour ça que nous sommes le seul camp intact, préservé encore aujourd'hui. Bon. Et là a commencé une longue marche, je dirais, de 30 ans, je l'évoquais tout à l'heure, compliquée, d'autant plus compliquée que vous connaissez un peu ce genre de caractère que certains qualifient de juif, mais je ne le ferai pas, bien entendu, puisque je ne suis pas antisémite. Certains disant que les juifs ont la nuque raide, et donc plus on a rencontré d'obstacles, plus évidemment ça nous a, disons, stimulés. Bon, on s'est attaché aux grilles, on a fait un peu de garde à vue, bon, bref, on n'était pas très bien vus, mais tout de même les temps évoluaient et changeaient. Et petit à petit, après des blagues, j'allais dire, hein, pour nous faire plaisir, allez, on va faire un musée de la tuile et de l'argile, et vous aurez 100 mètres carrés, parce que c'était une tuilerie, et vous aurez 100 mètres carrés pour jouer à la mémoire. Après, ça a été un musée du tracteur agricole, c'est l'occasion pour que vous ayez vos 150 mètres carrés pour jouer à la mémoire, etc., etc. Bon, bref. Non, 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 on veut un mémorial. Il y a suffisamment de châteaux protégés en France et de lieux de mémoire pour qu'on puisse préserver le seul grand camp français d'internement et de déportation encore intact. Bon. La NUCRED a été utile et en définitive, je passe sur les détails après beaucoup de bras de fer, et alors que aucune collectivité publique n'a voulu en prendre la charge, aucune, hein, ça aurait dû être l'État. Ça n'a été ni l'État, ni la région, etc. Mais, à partir du moment où nous nous sommes dit, eh bien, c'est nous qui allons le faire, d'où la création de cette fondation. Sinon, ce serait un musée d'État, comme à Auschwitz, comme le musée comme Yad Vashem, comme le musée de Washington, etc. Bref, ça aurait été un musée d'État. Eh bien, en définitive, on s'est dit, on va le faire nous-mêmes, avec des fonds publics, en partie, pas seulement, mais très largement. Et là, ils étaient... les pouvoirs publics étaient un peu rassurés puisqu'on ne leur demandait pas de porter ce lieu maudit qui rappelait des choses qu'il ne fallait pas rappeler. Bon. Chose très importante qui bascule vers la dernière partie de mon exposé. Chose très importante, l'idée depuis le début de notre projet, c'était... de passer du « plus jamais ça » au « comment faire pour que plus jamais ça ». C'était vraiment l'idée principale. Oui, « never again », c'est important, c'est l'émotion, c'est le socle, c'est le rappel des horreurs de la Shoah, et c'est la base, évidemment, de cette émotion-là. Mais, qu'est-ce qu'on en fait de cette émotion ? Une fois qu'on a ému et qu'on s'est ému, comment on fait pour empêcher, freiner, limiter le retour de ces horreurs? Bon. Les réponses sont multiples. Mais, à l'époque en tout cas, dans la préparation de la muséographie et des travaux de formation, de recherche que nous menions, il nous a semblé que... la meilleure manière, c'était d'expliciter, de développer les mécanismes qui ont pu mener au pire, les mécanismes humains fondamentaux, qui ont pu mener au pire et qui peuvent à nouveau mener au pire. C'était ça le pari, et c'est toujours le pari. C'est de dire, oui, il faut rappeler l'histoire, c'est le socle. Et donc les deux premières parties du musée sont consacrées à l'histoire et aux lieux eux-mêmes. Bon. Mais à partir de là, il faut porter un regard sur l'histoire, et plus seulement un regard dans l'histoire. Et trop de musées dans le monde, sur la Shoah, continuent à mettre l'accent surtout ou exclusivement sur l'histoire, et pas assez de notre point de vue, sur les mécanismes individuels, collectifs et institutionnels qui ont pu conduire au pire et peuvent conduire au pire. Donc nous avons travaillé
comme je vous l'ai dit, ils nous ont laissé le temps. Nous avons travaillé pour essayer, dans l'histoire de la Shoah, à partir du travail de beaucoup d'autres chercheurs, hein, nous avons essayé de rassembler tout cela pour en faire une muséographie complémentaire de la muséographie historique, et sur un total de 15 000 mètres carrés, sur 7 hectares de terrain, d'en faire donc une synthèse qui permette de repérer ces mécanismes fondamentaux. Une fois que nous les avons repérés, est-ce qu'on peut passer à... Où est-ce qu'il est, le monsieur ? Il est là. Je ne sais plus quelle est la slide suivante, mais ça devrait aller dans le bon sens. Not this one. Yes, one second. Alors, ça vous a l'air de tomber comme un cheveu sur la soupe, mais pas vraiment. Vous avez peut-être reconnu certaines choses. Les otages, bien sûr. Alors, comment le lien s'est fait? À partir du moment où nous avons repéré ces mécanismes fondamentaux, il s'agissait pour nous, en tant que chercheurs, il s'agissait de se prononcer, de regarder si les mécanismes qui ont conduit à la Shoah étaient des mécanismes spécifiques à la Shoah, autrement dit, uniquement, en gros, qu'est-ce qui s'est passé pendant la Shoah ? C'est propre à une période, c'est propre à certains hommes, il y avait Hitler, il y en avait d'autres, donc un contexte, des hommes, un continent, l'Europe, une période, etc. Donc est-ce que ce sont des mécanismes liés à ces particularités et à ces circonstances, ou est-ce que l'on est devant des mécanismes plus larges, universels ? Quel est l'enjeu ? Si c'est simplement une période historique horrible qu'on cherche après coup à expliquer pour elle-même, comme on peut expliquer n'importe quel accident de la route ou accident historique, ça ne vous dit pas grand-chose sur les fonctionnements humains en général. Si les mécanismes en question sont des mécanismes récurrents, qui reviennent, répétitifs dans l'histoire de l'humanité, alors là, on peut se dire que l'on n'est pas loin de trouver des lois humaines, si je puis dire, qui permettent non seulement d'éclairer le passé, mais d'éclairer le présent et l'avenir. Autrement dit, si on ne parle pas seulement de la Shoah et de son contexte, mais aussi des fonctionnements humains fondamentaux, s'ils sont fondamentaux, ils sont d'aujourd'hui, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Alors comment on fait pour essayer d'y voir clair ? C'est-à-dire uniquement une histoire particulière ou une histoire particulière, bien sûr qu'elle est particulière, mais à portée universelle, humaine, et j'oserais dire humaniste. Eh bien, la manière scientifique la plus classique est de valider, vérifier les leçons d'une expérience, entre guillemets, la Shoah, avec d'autres tragédies humaines. Et bien sûr, nous avons choisi le Rwanda, le génocide du Rwanda, le génocide donc des Tutsis au Rwanda, le génocide des Arméniens et les crimes à caractère génocidaire. Je n'ai pas dit génocide, il faut faire attention avec ce mot aujourd'hui galvaudé. La tragédie, donc la crime à caractère génocidaire contre les Tsiganes. Bien. Lorsque l'on se penche sur, en définitive, ces quatre histoires, avec trois continents différents, Afrique, Asie, Europe, bien sûr, avec des peuples différents, dans des périodes différentes, on retrouve les mêmes mécanismes fondamentaux. Il y a des différences. La bureaucratie existait beaucoup plus sous les nazis que sous les ottomans, quoique, et beaucoup plus qu'au Rwanda, bien sûr. Donc il y a des différences.
la technologie était beaucoup plus avancée dans les chambres à gaz, hélas, qu'avec les machettes. Mais les mécanismes fondamentaux, à notre grande surprise, étaient les mêmes. Les étapes étaient les mêmes. Les mécanismes individuels et collectifs ou psychosociaux étaient les mêmes. Et donc, nous avons eu le sentiment que, en présentant ces mécanismes que l'on connaissait pour la plupart dans la Shoah, on pouvait éclairer les humains d'aujourd'hui sur les fonctionnements, les mauvais fonctionnements, mais aussi les résistances qui ont existé dans les trois génocides, le quatrième cas que j'évoquais, mais aussi sur les résistances possibles. Et c'est donc le pari fondamental de notre approche conceptuelle. C'est de dire, faisons de la Shoah non seulement une histoire unique, forte, un soleil noir comme il n'y en a pas d'autre, mais un soleil noir qui éclaire l'humanité parce qu'il révèle des mécanismes communs. Autrement dit, passer de la Shoah événement unique à la Shoah paradigme d'explication, grille d'explication des fonctionnements humains dans les tragédies. Et il me semble que si la Shoah n'a pas assez protégé jusqu'à aujourd'hui ni les Juifs, ni les sociétés des délabrements qui sont les leurs, c'est parce que l'on n'a pas assez vite pris le tournant qui va de l'histoire seule, qui se regarde elle-même, que l'on regarde, à une histoire qui parle, encore une fois, de mécanismes psychosociaux et de mécanismes humains. Alors, de ce point de vue-là, nous avons donc bien sûr avancé. Nous présentons... Oh, ça n'a pas été facile, parce que c'était pour la première fois qu'on présentait ce type de mécanisme sur un lieu de mémoire. Il y avait dans le musée de la tolérance à Los Angeles quelque chose d'à peu près semblable, un petit bout aussi dans le musée Anne Frank, mais le musée de la tolérance, c'était pas dans un lieu de mémoire, donc on pouvait pas s'appuyer sur l'émotion du lieu pour aller plus loin sur le plan intellectuel des analyses dont je parlais. Et musée Anne Frank, encore une fois, c'était relativement limité. Bon, nous nous sommes dit, comment présenter cela ? Alors, je vous passe sur les différentes discussions infinies du Conseil scientifique sur comment présenter cela. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons changé 4 fois de muséographe parce que les muséographes ont l'habitude de présenter des objets, de présenter des chronologies, de présenter des cartes, de présenter des lieux, mais ils n'ont pas l'habitude de présenter des idées. Et donc j'ai fait le tour d'Europe, d'un certain nombre de musées d'idées, enfin je croyais, mais en fait pas du tout. Un musée sur Nietzsche, un musée sur Voltaire, un musée... Bon. Et qu'est-ce que je trouvais en général? Ou de Marx, là, les Russes, enfin les Soviétiques, étaient bons là, pour ce genre de musée. Mais qu'est-ce qu'ils vous disaient là? Il y avait trois belles phrases, de citations de Voltaire, de Marx, etc. Il y avait trois belles phrases, et puis il y avait le crâne de Voltaire à 8 ans, le crâne de Voltaire à 20 ans, le crâne de Voltaire... Bon, évidemment que je souris, mais ça veut dire que il y avait le stylo, enfin le stylo, la plume de Voltaire, il y avait... Enfin, bref, rien sur la présentation des idées. Bref, on a essayé tout de même d'avancer là-dessus. On était tellement pas sûrs de nous que, pour ceux qui connaissent, certains ici, ils savent que, contrairement au reste de la muséographie de cette partie est en papier, parce qu'on était sûr qu'on allait devoir la déchirer 8 et 5 ans après. Et que c'était pas la peine d'investir dans un truc qui était... On savait nous-mêmes qu'il y avait plein de choses discutables, contestables, etc. Bon, elle est toujours là. Non, elle jaunit. Mais elle est toujours là, on va l'étendre,
si Dieu veut. On va l'étendre, on va, parce qu'évidemment, ça passionne les jeunes. Et on en fait le point d'appui de formation vers toutes sortes de publics, les quartiers difficiles. On a à peu près 300 à 400 jeunes qui viennent chaque jour, plus à peu près autant d'adultes. Ça a baissé pendant le Covid, c'est en train de retrouver le niveau d'avant le Covid. Nous mettons l'accent sur les publics prioritaires. Quand je dis prioritaire, c'est tout, hein. Les islamistes, on va dans toutes les grandes prisons de France. Quand ils sont jeunes, la protection judiciaire de la jeunesse les amène chez nous. Nous venons de signer la 4e convention avec le ministère de la Justice pour les stages de citoyenneté. C'est-à-dire que tous ceux qui commettent des actes anti-humains, bien sûr antisémitisme, racisme, apologie du nazisme, etc., mais aussi des violences sexistes, mais aussi d'autres, des violences plus larges. Il suffit qu'un juge considère que ça soit utile d'aller au camp des Mille avoir une éducation citoyenne pour que ces jeunes, ou ces moins jeunes, hein, il y en a de 40 ou 50 ans, soient obligés de faire un stage de citoyenneté. Bon. Je reviendrai, si on a le temps, sur les bilans qu'on fait, on croise, etc., etc. Bon. En tout cas, l'accent est mis sur les publics prioritaires, les publics des quartiers difficiles, de toute la France, bien sûr, etc. À partir de là, évidemment, se pose la question, et c'est pour ça que je fais présenter ce slide, se pose la question de parler ou pas de l'actualité. La manière qu'ont certains mémoriaux de se rendre plus actuel, si je puis dire, de dire « je ne parle pas seulement du passé, donc venez, venez, je suis intéressant, je parle du présent ». Bon, la manière qu'ils ont en général, c'est de traiter à chaud des problèmes chauds. Bon, ça veut dire on invite une délégation de petits Irakiens ou de petits Palestiniens, rarement des petits Israéliens, des Kurdes, des gentils. On essaie de trouver des gentils et on les fait venir et ils racontent leurs horreurs. Bon. On n'a pas du tout la même approche. Au moins pour une raison pédagogique. À partir du moment où vous parlez d'un problème chaud, les gens n'entendent que ce que vous avez dit de ce problème chaud. Ils ressortent du camp des Mille, non pas en se disant « Ah, j'ai compris comment les hommes ont pu déraper des hommes ordinaires qui deviennent des salauds extraordinaires, etc. etc. » C'est plus ça qui est compliqué à comprendre, évidemment. Non, « Ah, on m'a, au camp des Mille, on m'a dit que l'extrême droite, c'était pas bien, et pourtant, hein, ou bien au camp des Mille, on m'a dit que en Irak, je sais pas trop quoi, ou que les Palestiniens, les pauvres, etc. etc. » Bon. Ou bien j'ai entendu des gros mots au camp des Mille, on a dit Le Pen, on a dit Dieudonné, etc., etc. Bon, c'est ça qu'ils rapportent, parce que c'est ça qu'ils vivent dans les médias tous les jours. Donc ils s'y raccrochent, et donc on passe complètement à côté de l'objectif. Il y a bien d'autres institutions, en France et ailleurs, pour parler de l'actualité. Donc la consigne au camp des Mille est de ne pas parler d'actualité, mais de parler du présent. Nuance d'intellectuel. Alors, où est la nuance? Parler d'actualité, c'est, comme je vous l'ai dit, prendre des faits tels qu'ils sont et essayer de dire que ces faits font écho, etc., etc. Alors que parler du présent, c'est parler, je l'évoquais tout à l'heure, des mécanismes permanents, donc présents, que peuvent vivre les hommes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore de la soumission aveugle à l'autorité? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore de la passivité devant les horreurs? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des stéréotypes et des préjugés? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore de l'effet de groupe? Oui. Et donc, de cette manière-là, nous laissons les jeunes en particulier se dire « Mais c'est vrai que ça nous parle de nous aujourd'hui. » Mais pas seulement parce qu'on a cité, comme dans ce panneau,
l'assassinat d'enseignants français ou des Israéliens le 7 octobre. Et des otages aujourd'hui. Non. Chacun s'approprie et applique à sa manière, et ça fonctionne, les mécanismes de base, hein, parce que bien sûr, il n'y a pas une seule visite de jeunes au camp des Milles qui ne se fait pas avec un atelier derrière d'approfondissement. Parce qu'on a bien conscience que déjà la visite, c'est bien, mais c'est loin d'être suffisant. Un atelier, c'est mieux, c'est pas non plus la panacée. Et on a aussi des dispositifs pour prolonger dans les quartiers, avec les parents, les choses, ou bien de faire venir des équipes qui peuvent être des équipes de centres sociaux, pas toujours favorables à cette histoire, des équipes de gendarmerie, de policiers, de magistrats, de sportifs, et qui viennent et dont deux ou trois membres se forment chez nous pour continuer à faire des projets dans leur lieu de travail, des projets qui continuent à maintenir les explications et la problématique. Bon. Donc, nous essayons de parler du présent et pas trop d'actualité. Voilà le contre-exemple. J'espère que certains d'entre vous s'étaient dit, mais il est en train de nous embarquer celui-là. Il fait le contraire, il nous montre le contraire de ce qu'il dit. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, nous avons décidé de faire deux exceptions au fait de ne pas parler d'actualité et de les mettre en marge des expositions principales. Quand je dis en marge, c'est pas à la cave, c'est à l'entrée et à la sortie. Mais c'est pas intégré dans le processus intellectuel que je vous présentais tout à l'heure. Les deux exceptions, c'est quoi ? C'est le problème des migrants qui se noient en Méditerranée. Nous sommes à 20 km de la Méditerranée et nous avons chaque année 5 à 6 000 hommes, femmes et enfants qui meurent, qui coulent presque sous nos yeux. Est-ce qu'il est possible, nous, sous prétexte de ne pas parler d'actualité, etc., de ne pas au moins interpeller le visiteur au début ou à la fin en lui disant « Oh, il se passe ça pas loin en permanence. » Et ces migrants sont traités comme des problèmes, comme les Juifs à l'époque à la conférence d'Évian, et pas comme des hommes, des problèmes à régler et pas des hommes à sauver. Donc, première exception. Deuxième exception, le terrorisme. À partir du moment, j'espère qu'on aura le temps de le voir, mais j'ai été trop bavard déjà, mais à partir du moment où on considère que le basculement d'une société vers une société autoritaire, le basculement d'une société vers la violence, et notamment la violence raciste et xénophobe, à partir du moment où on considère que ce basculement est accéléré, vous en savez quelque chose en Israël, par le terrorisme dans les démocraties est une menace existentielle, et pas seulement physique. C'est une menace pour nos valeurs, enfin bon, vous le savez tout ça, pour nos valeurs, pour nos principes, pour notre démocratie. Et ça a largement contribué au glissement actuel de l'Europe, mais pas seulement, États-Unis aussi, et d'autres d'ailleurs, au glissement vers l'extrême droite. Donc, le contraire de nos valeurs. Idem à l'extrême gauche d'ailleurs, mais c'est un autre processus, c'est pas le terrorisme. Bon. Donc, deuxième exception, le terrorisme. Et donc, depuis quelques années, nous avions mis à l'entrée l'attentat de Nice, une centaine de morts provoquées par un terroriste islamiste, l'attentat d'Utøya en Norvège, une centaine de jeunes, 80 je crois, ou 96, je ne sais plus, pardon,
assassiné par un extrémiste de droite. N'oublions pas qu'aux États-Unis, les attentats d'extrême droite sont plus nombreux que les attentats venant d'ailleurs, beaucoup plus nombreux, et globalement en Europe aussi, pas en France. Et puis, le mois d'octobre est arrivé avec l'assassinat de Dominique Bernard en France par un terroriste islamiste et le 7 octobre. Donc, il était cohérent pour nous, même si ça n'a pas nécessairement plu à tout le monde, il était cohérent pour nous de présenter, en plus des deux histoires que j'évoquais, les deux événements, Utøya et Nice, de présenter Dominique Bernard et les otages, avec un texte qui fait référence aux victimes du 7 octobre. Sous l'angle, encore une fois, du terrorisme qui peut faire basculer nos sociétés et contre lesquelles il y a des raisons vitales tirées de l'histoire, le lien est toujours là, et notamment de l'histoire de la Shoah, des raisons vitales de se battre. Bon. Donc, voilà, si vous voulez, un panorama loin d'être complet sur ce que nous essayons de faire, la vision que nous avons des choses. J'aurais aimé pouvoir entrer... Je vais le faire sur un point, là, je ne peux pas m'en empêcher. Là. Vous voyez qu'il me reste un peu de passion. Donc, ça me paraît important. Comment on peut avancer là? Je vais essayer de faire vite, mais... Quelle heure il est, en fait? Bon, vous n'y voyez rien, mais je dis pas que c'est volontaire, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous voyez le développement d'un processus qui va d'un terreau jusqu'au pire, c'est-à-dire les crimes de masse. Bon, j'ai quelques exemplaires de cela pour ceux qui voudront. Tout à l'heure, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. Et puis, de toute façon, vous pouvez retrouver l'essentiel, notamment un petit manuel de survie démocratique applicable à tous les pays qui sur notre site internet. Bon, donc je vous disais que ces tragédies historiques convergeaient vers des mécanismes semblables et des étapes semblables. Et bien sûr, quand on découpe, il y a toujours des discussions possibles et elles sont légitimes et souvent fondées. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que dans toute société, il y a un terreau. Il y a un terreau, c'est-à-dire qu'il y a des tensions légitimes. On n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas la même éducation, on n'a pas... Enfin bref, et c'est donc normal qu'il y ait des différences et parfois des tensions. En particulier, les tensions envers l'autre, celui qui n'est pas le même que vous, et surtout sa différence gêne parfois. Bon, j'allais dire, c'est presque normal. La démocratie est là pour organiser les tensions, les réguler de façon pacifique, autant que faire se peut. Bon. Lorsque soit les tensions s'aggravent, parce qu'il y a des crises de toute nature, culturelles, économiques, politiques, guerres, internes ou externes. Lorsque donc les tensions s'accroissent, et ou, les deux sont possibles, et ou que la démocratie faiblit, donc deux facteurs, alors là, s'enclenche un engrenage résistible, on peut y résister. Vous voyez le mot résistance en rouge, ça j'espère qu'on le voit un peu. Enfin, il y a un peu partout des branches de l'histoire ou des processus qui ne vont pas jusqu'au bout des crimes de masse.
il y a, s'enclenche un processus en trois, qui peut aller jusqu'à trois étapes. Première étape, je passe, la société se crispe, bon, les minorités, actives émergent, parlent plus fort que la majorité, les tensions raciales ou racistes s'exacerbent, etc. Bon. Et puis nous en arrivons, c'est là que je ne veux pas être trop long, parce que je peux vous dire que... Voilà, 5 minutes de moins. D'accord. Je me suis arrêté il y a 5 minutes, c'est ça ? Non. Donc, comme dit De Gaulle, quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Hein ? Ah, magnifique. Formidable. J'ai tout mon temps. Non. J'insiste sur l'étape numéro 2, qui s'appelle de la démocratie au régime autoritaire. C'est une étape importante parce que presque toutes nos démocraties se retrouvent dans cette situation actuellement. Certaines... Alors, il y a deux séquences dans l'étape 2. Je dirais de l'histoire. Hein. Bon. Il y a deux séquences dans, l'étape 2. La première séquence dans laquelle la France et, je crois, Israël sont encore. Je dis encore parce que la deuxième séquence n'est pas loin, ni en France, ni en Israël, peut-être. Mais là, pour Israël, je vous prie de vous considérer comme plus expert que moi, de beaucoup. Bon. La première séquence de l'étape 2, donc du régime de la démocratie au régime autoritaire, elle est marquée par 4 facteurs. Premièrement, les institutions, et notamment les institutions judiciaires, sont attaquées et ébranlées. Tout le temps, toujours, c'est une étape. Deuxième facteur, les crispations identitaires. Il y a des gens qui font des rapprochements bizarres, là. Vous êtes en train de me faire dire des trucs auxquels je ne pense même pas. Vraiment, la télépathie négative, ça marche mieux que l'autre. Hein. Bon, donc, deuxièmement, mais je vous assure que ça fait froid dans le dos quand on travaille sur l'histoire, qu'on voit ces mécanismes-là et qu'on ouvre le journal après, quoi. Bon, donc, j'ai oublié, l'institution attaquée et ébranlée, crispations identitaires... montée des violences d'une façon générale, la brutalisation de la société, et puis des institutions débordées ou quasiment débordées, en tout cas dépassées par les événements. Bon. L'étape, enfin, la séquence d'après, sans parler de l'étape d'après, c'est internements arbitraires, justice à la botte, presse muselée, contrôlée, etc. Ni en France, ni en Israël, on y est. Mais ça peut aller très vite. Donc, nous sommes, dans la plupart des démocraties, pour des raisons que peut-être je vous dirai s'il y a des questions là-dessus, nous sommes à ce moment-là sur une ligne de crête. Et j'insiste sur le mot de ligne de crête parce que quand on est au fond d'une vallée, on vous fait un croche-pied, il y a une crise, il y a un problème, il y a un accident, c'est pas dramatique, vous ne tombez pas de 2000 mètres. Bon. Vous êtes sur une ligne de crête, j'allais presque dire le moindre coup de vent, le moindre attentat, si on peut dire ça, le moindre provocation, la moindre abstention, parce que là aussi, le fait de ne pas faire, c'est aussi une manière de peser ou de ne pas peser sur la société. Bon. Tout cela pèse beaucoup plus. Et donc, nous nous trouvons dans des sociétés hyper fragilisées par le moment auquel nous sommes, qui est la suite. Alors, je ne vais pas vous le montrer, mais il y a un graphe pour la France qui montre qu'avec des hauts et des bas, les risques pour la démocratie ont été multipliés par 5 depuis 1990. Des hauts et des bas, et il y a des bas. Donc, on sait aussi comment reculer. Mais ça sera sur vos questions. Uniquement. Si vous êtes sage. Voilà. Je reste ici pour répondre, peut-être. Hein? תודה רבה, פרופסור אלן שורקי. ביקשתי רשות להמשיך בעברית,
כי אני רוצה לחדד נקודה שנראתה לי מאוד חשובה, וזאת הייתה אחת הסיבות העיקריות שבגללה הזמנו את פרופסור שורקי לכאן. וזאת הייתה השאלה, וזה מופיע הרבה מאוד גם בעבודה שנעשתה, בעבודה החשובה שנעשתה בקם דומיל, זה מה אני כאזרח עושה בכל שלב. מה היכולת שלי להגיב לסיטואציה שאותה אני מזהה. וברגע שיש לי את היכולת להגיב ואני מבין את התגובה, אז גם היכולת שלנו להתמודד עם המשברים של הדמוקרטיה במצב הזה הם חשובים מאוד. ביציאה מהמוזיאון יש לוח ענק של 100 אנשים שכל אחד מהם עשה משהו קטן כדי לשנות את המצב. וזה המשהו הקטן שכולנו רוצים להביא את עצמנו אליו, לזהות את המצב, ומתוך המצב הזה גם להגיב בצורה הנכונה. ואני חושב שכאן התרומה של קם דומיל היא מאוד חשובה להבנה של הנושא הזה, כי כל מי שנמצא שם שואל את עצמו את השאלה, איפה אני כרגע בתוך המצב הזה, איפה אני בתוך הסיטואציה המיוחדת הזאת. אז בשם מכון בן צבי אני מבקש להודות לך על ההרצאה החשובה הזאת, ואנחנו פותחים את הבמה לשאלות שלכם. אם אתם רוצים לשאול את פרופסור שורקי, גם אם ההרצאה התארכה קצת, ניתן לזה עוד 10 דקות. עד כמה שאני יודע בזום אין לנו שאלות, אז הבמה היא כולה שלכם באולם. תודה. מי רוצה לפתוח בשאלות? כן, איפה המיקרופון? פאט קסטיו? לא, המתרגמים לא שומעים אותך. דוד מואטי. Merci. Est-ce que un petit peu, c'est un peu dans l'idée comme un petit peu le, je crois qu'il y a le musée de la tolérance, il me semble, à Jérusalem maintenant, et puis il y a, je crois aussi aux États-Unis, à Los Angeles. Donc un musée qui parle des droits de l'homme et comment combattre dictature, etc. C'est un peu le même concept. Et est-ce que les écoles viennent chez vous, c'est-à-dire les élèves, est-ce que c'est organisé aussi avec le ministère de l'éducation, les enfants qui viennent chez vous dans votre établissement? Alors, deuxième question, oui, quand je vous parle de 300 à 400 jeunes par jour, c'est pour les trois quarts, ils viennent des établissements scolaires, et le reste, ce sont ce qu'on appelle l'éducation informelle, les écoles de la deuxième chance, les écoles d'intégration, les centres sociaux, etc. Bon, oui, bien sûr, et nous avons d'ailleurs des partenariats avec 9 ministères, y compris les ministères en charge de la radicalisation, je préfère dire déradicalisation, parce que il semble que nous puissions être efficaces sur ces sujets-là, y compris les radicalisations d'extrême droite et islamistes, évidemment. Sur la première question, sur le musée de tolérance, je dois vous avouer avec beaucoup d'humilité que je n'ai pas visité encore le musée à Jérusalem. J'ai des excuses. C'est pour ça que j'arrête pas de demander à mon secrétariat, obtenez-moi un rendez-vous avec eux, et ils me disent, on n'arrive pas. Ah ben oui, maintenant je vais leur expliquer pourquoi. Bon, d'accord. Par contre, votre question ne m'étonne pas, parce que je l'ai évoqué moi-même tout à l'heure, l'esprit du musée de la tolérance à Los Angeles est un peu le même esprit, avec à mes yeux plusieurs différences, je ne vais pas les faire pointer ou les pointer maintenant, mais il y a une énorme différence, c'est qu'au camp des Milles, on est dans un lieu de mémoire. Je veux dire qu'on n'a pas trop le risque qui existe toujours de rester dans des choses trop abstraites, j'allais dire un peu trop intellectuel, même si l'approche américaine est souvent très pratique. Donc je pense que l'équilibre entre le lieu et un recul pluridisciplinaire, intergénocidaire, etc., c'est important. Si vous parlez des trois génocides n'importe où, vous risquez de les mettre sur le même plan. Bon, au camp des Milles, c'est un lieu Shoah, il n'y a rien à faire. Bon, et donc vous travaillez pour savoir si les leçons de cette histoire sont des leçons universelles. Shalom, Kevodo, אני לא יודע צרפתית, אני בא ממדינת גאורגיה.
אני ממדינת סטלין, שניצח כל פאשיסטים האלה. כן. כעוד הוא אמר שאמריקה, כמו כבש יפן, אבל כבש לא בחוקים טובים. הוא שלח שתי אטומים גרעינים, ושהקדוש ברוך הוא לא ייתן גם מדיניות אחרת. זה בקשר אמריקה. עכשיו, זה היה הרצאה מאוד מאוד מעוניין, אבל אתה לא דיברת עם ספרים, כמה אנשים, כמה ילדים, וזה היה טוב אולי בהרצאות אחרות. אתה אגיד גם כמה היה, כמה יהודים היו שם. ואנחנו מגיאורגיה, משנת 1921, שבאו בולשביקים שם, כל ממשלת גיאורגיה ברח בצרפת, בלביל. וכמה יהודים שהיו שם בלביל, כתבו שהם לא יהודים, הם גיאורגים. ויש משהו היסטוריה כאלה, שגם עמים אחרים עזרו לנו, שבמקום יהודים כתבו, הם גיאורגים. Oui, je voudrais savoir si vous avez peut-être fait profiter votre étude à l'éducation nationale, je veux dire pour enseigner l'histoire, pour comprendre l'histoire. C'est un travail qui est très très important. Or, ce serait peut-être bénéfique de ne pas se limiter à ceux qui visitent le camp des Milles, mais qu'en fait ce soit un système éducatif, de voir ce processus, surtout en France qui souffre vraiment de ce processus vers l'affaiblissement de la démocratie et les extrémismes. Je peux répondre ? Encore une question, c'est... D'accord. Pour avoir visité le musée il y a déjà 3 ans, j'avais été déjà frappé par ce schéma tellement précis, tellement juste. Et il y avait, si je m'en souviens bien, une application des différents items aux différents pays. Et je me souviens que la France était relativement mal placée déjà, encore que d'autres étapes ont été franchies depuis. Est-ce que vous avez, sur les différents pays, établi ce genre de prévision et de projection sur l'avenir? Merci pour ces 3 questions. Non, mais on a... Non, mais là, je suis un intellectuel vieux, donc... 3 questions. 1, 2, 3. Bon. Alors, sur la Géorgie, merci, c'est un témoignage avant tout, plus qu'une question que vous faites. Donc, merci de ce témoignage qui renvoie à une question très fréquente. C'est que dans les persécutions de juifs, très souvent, les juifs n'apparaissent pas comme juifs. C'est-à-dire qu'à Auschwitz, vous le savez, pendant des décennies, on parlait de Polonais, on parlait de Français assassinés, etc. On ne mettait pas en avant la dimension juive des Polonais, etc. Ce qui a conduit, d'ailleurs, beaucoup de Polonais à ne pas comprendre quand on leur a expliqué que sur les 3 millions de Polonais, il y avait une très grosse proportion de Juifs. Bon, donc oui, des Juifs géorgiens appelés géorgiens et pas juifs, c'est un exemple de beaucoup d'autres choses. Et puis vous avez auparavant donné des éléments de historiques dont je vous remercie. En ce qui concerne l'éducation nationale, oui, bien sûr, c'est notre premier partenaire. C'est notre premier partenaire, mais vous savez, ce n'est pas moi qui ai dit que l'éducation nationale était un mammouth. Bon. Donc un mammouth, il faut vraiment beaucoup lui tirer la queue pour qu'il commence à sentir que peut-être il y a un poil de la queue qui sent quelque chose. Bon, alors ce que je peux vous dire, c'est que depuis 1 an, nous avons plusieurs délégations qui sont en charge des programmes,
et qui sont venus nous voir pour l'élaboration de programmes dans ce sens. En même temps que les programmes d'éducation morale et civique sont en train de changer. Il y a notamment une décision d'obligation que tous les élèves visitent un lieu de mémoire. Il y a un colloque dans quelques jours qui va intervenir, où nous interviendrons d'ailleurs trois fois, dans lesquels nous apporterons cette vision des choses pour la manière de visiter des lieux de mémoire et d'en tirer des leçons. Bon. À vrai dire, nous comptons surtout sur les enseignants. Et si je fais le calcul, depuis l'ouverture du camp en 2012, on a dû avoir à peu près 600 000, 800 000 enfants qui sont passés, ce qui veut dire, vous divisez par 20, vous avez à peu près le nombre d'enseignants, même s'ils sont... ça fait beaucoup de monde qui en parle, qui diffuse. Ça ne va pas assez vite. Mais vous savez, ça a toujours été une course de vitesse entre la démocratie et les passions, parce que l'extrémisme, c'est de l'ordre de la passion. La passion va très vite, l'éducation va beaucoup plus lentement. Et là, on a pris du retard dans la course. Hein. Cela dit, oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Gabriel Attal, le président Macron est venu 4h30 au camp des Mille, on a pu parler 2h30 quasiment tête à tête. De ces choses-là, il y a une conscience aiguë au plus haut niveau de l'État des risques pour la démocratie. Et c'est une des choses, il ne faut pas l'oublier quand on analyse certaines réactions de la présidence et du gouvernement français, il y a une conscience aiguë de la vulnérabilité de la démocratie en France du fait de la pression des deux extrêmes. Il y a une pression extrêmement forte. Nous sommes dans une région où plus de 60% de la population vote aux extrêmes. Et il faut qu'on fasse notre boulot, et on le fait, et on est à peu près respecté. Un peu menacé, mais à peu près respecté. Eh oui, troisième question, donc. Vous voyez, déjà trois. Bon. Troisième question sur les projections. Alors, j'en ai pas parlé, comme je n'ai pas parlé de beaucoup de choses, mais nous avons créé deux outils. Un premier outil, c'est un réseau des institutions mémorielles qui s'appelle Institutions mémorielles et citoyenneté, qui rassemble à peu près 30 à 40, ça dépend des réunions, mémoriaux ou institutions mémorielles du monde entier, pour se pencher uniquement sur qu'est-ce qu'on peut faire en tant que mémoriaux pour agir sur l'éducation à la citoyenneté. Bon, c'est un réseau que nous avons créé après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, et qui évidemment actuellement reprend de la vigueur. Bon, et nous essayons de brainstormer, de faire des comparaisons, enfin de voir ce que chacun fait dans ce domaine. Mais je dois dire que l'imprégnation historique et surtout historique de ces mémoriaux gêne certains d'entre eux qui n'ont pas les capacités pluridisciplinaires pour aborder les choses différemment. Bon, mais bon, déjà, s'ils s'ouvrent à des publics sensibles, c'est important. Et puis, le deuxième outil, c'est une chaire de l'UNESCO. Qu'est-ce que c'est qu'une chaire de l'UNESCO ? C'est en fait un réseau, en l'occurrence, d'institutions universitaires et mémorielles d'une trentaine de pays, d'Afrique du Nord, arabe, européen, bien sûr, d'Amérique et d'Asie. C'est un réseau dont nous portons la coordination, qui s'appelle Éducation à la citoyenneté, science de l'homme et convergence des mémoires. Convergence des mémoires, c'est ce que nous avons pratiqué. Convergence des mémoires, c'est, par exemple, dans le réseau, quand nous recevons des mémoriaux de l'ancienne Yougoslavie, des Serbes, des Croates, des Bosniaques, ils arrivent avec chacun leur vision. Ils ont été les plus grandes victimes, chacun a été les plus grandes victimes, chacun, l'ennemi a été bien sûr le plus terrible, c'est pas eux, etc., etc. Bon. Et nous leur disons, vous avez certainement toutes les raisons du monde de penser ce que vous pensez, que pour vous ça a été pire et que les autres ont été pires. Bon. Ici, ce que nous cherchons, c'est comment fonctionne l'homme. Donc, ici, dans ce réseau, convergence des mémoires, c'est pas concurrence des mémoires, c'est qu'est-ce qu'il y a de commun dans vos expériences.
Vous, Serbes, Croates et Bosniaques, est-ce qu'il y a eu partout du racisme, du rejet de l'autre? Oui. Est-ce qu'il y a eu partout de l'effet de groupe? Oui. Est-ce qu'il y a eu partout de la soumission aveugle à l'autorité? Oui. Est-ce qu'il y a eu partout toutes ces étapes et de la passivité? Oui. C'est ça qui nous intéresse. Parce qu'aujourd'hui, ça continue et demain, ça continuera. Et d'ailleurs, quand nous recevons des dizaines de milliers de jeunes venant de l'immigration, beaucoup d'origine musulmane, arabe, arabo-musulmane, etc., c'est vrai que beaucoup d'entre eux n'ont pas envie de venir, souvent. Que leurs animateurs n'ont pas envie de venir. Parce que la Shoah, c'est pas mon histoire, et puis ras-le-bol, les Juifs, bon, etc., etc. Mais ça dure un quart d'heure, pas plus. Si on leur parle au début, si on ne dit pas au début les gros mots de juifs ou de Shoah, etc., si on parle des faits de groupe, du petit chef qui, de la pression collective, ils le vivent tous les jours dans leur quartier, dans leur école, et les bandes qui s'affrontent, etc., ils se disent, mais tiens, on parle de moi, là. C'est quoi ce truc de juif qui parle de moi? Bon, et à partir de là, le lieu aussi parle. Et nous avons pu ainsi même recruter des jeunes comme ça, honnêtes, sincères, simplement, qui ne savaient rien et à qui on avait lavé le cerveau, et qui découvrent qu'on leur a raconté n'importe quoi et qui se trouvent être les premiers, et souvent les premières, des femmes, des jeunes femmes musulmanes, souvent les premières à nous dire « mais c'est passionnant, comment je peux continuer, etc. etc. » Heureusement, on a des manières de faire. Bon. Et on a recruté comme ça un boxeur des quartiers difficiles, connu par ces gens-là, et qui peut leur dire, quand ils arrivent, ce que moi, je ne peux pas dire, « Tu voulais pas venir ? Parce que les Juifs, t'en as rien à foutre ?» Ben moi, quand je suis venu la première fois, les Juifs, j'en avais rien à foutre. « La Shoah, c'était pas ton truc ? C'est pas ton truc ?» Ben moi pareil. Moi, je peux pas dire ça. Hein, bon. Donc, moi, pareil. Et ben maintenant, je vais t'expliquer pourquoi je suis là. Évidemment que c'est plus efficace qu'un discours d'un télo, etc., surtout juif, etc. Voilà. On prend une autre question ? S'il vous plaît. Ah. S'il vous plaît. Merci beaucoup, beaucoup. Et je suis là. C'était elle qui avait posé la question. D'abord, je vous remercie parce que je dois dire que depuis le 7 octobre, moi, je suis très inquiète en tant que pédagogue sur la manière dont on va faire de cette histoire une mémoire. Enfin, pas la mémoire vécue du présent, mais bien quelque chose qui va se transmettre. Et quand j'entends les propositions qui, pour moi, ne correspondent déjà à rien, et je pense qu'aujourd'hui, on est face à une réalité qui nous montre que la transmission ne s'est pas faite par des musées, sans les nommer, mais je sais auprès desquels on prend aujourd'hui... conseils pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Et sachez, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, personnellement je n'irai pas, mais dans les kibboutzim il y a déjà des mémoriaux qui s'organisent. Il y a même la pensée de déplacer une maison brûlée en dehors du kibboutz, mais pour créer le prochain musée. Pèlerinage, je ne sais pas si ça s'appelle un musée, et quand bien même est-ce qu'on a besoin de musée. Et donc, j'espère que vous... Ce n'est pas une question, mais j'espère qu'on aura des gens comme vous, parce que ce que vous avez dit... Bah, peut-être quand même, je vous pose la question. Comment vous pensez qu'on peut faire ça à chaud? Parce qu'on est vraiment dans cette situation, et ça est allé très vite, et y a déjà, ce pèlerinage existe déjà depuis au moins un mois, si pas deux, y compris des gens de l'extérieur qui viennent régulièrement se prendre en photo là-bas. Et je vous pose la question, en fait, vers quoi on va par rapport à cette histoire? On est dans le présent, mais est-ce que vous avez une perspective? Merci pour cette question importante et difficile, bien sûr. Je vais répondre ce que je peux, mais je veux quand même commencer par dire que vous, en tant qu'Israélien, avez plus d'éléments pour répondre sur ce qui est possible. Alors, bon... Je sais qu'à chaud, c'est difficile, mais enfin, pour moi, en tout cas, c'est encore plus difficile, peut-être, de donner des pistes ou des indications. En tout cas, je peux très facilement être considéré comme illégitime. Bon. Mais tout de même, je vais vous répondre ce que je crois à l'instant. Je crois profondément, pour avoir suivi, vous vous en doutez, de très près, ce qui se passe depuis le 7 octobre, et même avant, bien sûr,
Je crois qu'il y a une maturité ou un potentiel de maturité dans la société israélienne qui est extraordinaire. Je ne suis pas en train de dire tous les Israéliens, bien sûr, pas plus que tous les Français ou tous les quoi que ce soit. Bon, mais il y a ce potentiel. Donc de capacité de prendre du recul peut-être un peu plus vite que dans d'autres pays moins meurtris qui n'ont pas ce recul d'une histoire terrible et millénaire, qui n'ont pas les mêmes textes non plus de base, etc. Bon. Donc je crois qu'il y a un potentiel de maturité qui devrait, à mes yeux, permettre de surmonter plus vite le parasitage de l'émotion à chaud. Parce que vous l'avez bien pointé, à chaud, c'est très difficile. J'évoquais les Serbes, les Croates, etc. C'est beaucoup moins à chaud, mais c'est déjà très difficile. Bon. Donc, j'allais dire, j'ai bon espoir que cette maturité permette de créer des modèles de présentation des faits qui ne les adoucissent pas moindrement. Je répète, s'il n'y avait pas l'horreur de la Shoah, il n'y aurait pas toutes ces analyses et l'urgence de ces analyses. Donc il n'est pas question moindrement de gommer, au contraire. Pour montrer jusqu'où ça peut aller, jusqu'où c'est allé, il faut se poser des questions sur le pourquoi. Et il y a eu les mêmes problématiques, et j'ai travaillé avec eux, dans la conception du musée du 11 septembre, ou des mémoriaux du 11 septembre. C'était pas aussi à chaud qu'aujourd'hui pour vous, bien sûr, mais c'était très à chaud aussi. Donc, est-ce qu'on présente des visages, on présente pas des visages, on joue sur l'émotion surtout, on joue pas surtout sur l'émotion, est-ce qu'on va être amené à expliquer le terrorisme avec beaucoup de gens très spontanément qui considèrent qu'à partir du moment où on explique, on justifie ou on risque de justifier. C'est un problème qu'on s'est posé, on s'est tellement posé au camp des Mille que on a mis à deux endroits en gros, comprendre n'est pas justifier. Mais vous avez cette ambiguïté même dans la langue française. Quand on dit je comprends ce qu'il a fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire je vois bien que, parce qu'il avait son père prostitué, sa mère alcoolique, je dis ça parce qu'il y a l'égalité des sexes maintenant, hein. Bon, etc., etc. Donc, est-ce que ça veut juste dire je vois bien les facteurs qui ont conduit à cette saleté? Ou est-ce que ça veut dire j'ai de l'indulgence, je comprends, je me mets à sa place, etc., etc. Bon. Cette ambiguïté-là, elle nous paralyse. Et elle paralyse ce chemin qu'il faut creuser, qui consiste à dire, bien entendu, je n'ai aucune indulgence pour Hitler et aucune indulgence pour le Hamas, mais pour autant, c'est arrivé. Et pour autant, on doit essayer de comprendre comment c'est arrivé pour voir sur quoi on doit jouer. En dehors, bien sûr, de l'immédiat qui est de se défendre au maximum, ça, c'est encore une fois, c'est immédiat. Repérons les points sensibles. Il y en a sur lesquels on ne peut rien, et il y en a sur lesquels on peut. Et j'ajouterai pour terminer deux choses. Un, cet effort de recul, il a besoin d'un État démocratique, parce que sinon, tout État autoritaire ou à tendance autoritaire a intérêt au durcissement des choses, des oppositions, parce que ça le sert, il joue des clivages, etc. Et deuxièmement, je pense que ça peut être le chemin pour ce que je considère comme essentiel dans toutes ces crises, c'est-à-dire de le tikkun olam. Réparer, commencer à réparer, ne pas attendre pour commencer à réparer. Le monde se défait,
beaucoup de valeurs actuelles se défont. Il nous appartiendra, bien sûr, de le réparer, il nous appartient en permanence de le réparer. Mais je crois qu'il ne faut pas tarder. La réparation, vous savez, quand un tissu commence à se déchirer, le tissu social, vous pouvez vous dire, bon, ben, j'attends que ça aille jusqu'au bout, et puis après je reprends tout à zéro, etc., etc. C'est une méthode radicale qui n'a pas toujours donné ses fruits. Et puis vous pouvez vous dire aussi, je vais essayer de stopper la déchirure, de la limiter autant que possible. Donc la réparation, à mon avis, le début de la réparation, le début de la, de l'effort de recul, il doit à la limite avoir lieu le plus à chaud possible. Mais c'est facile de dire ça dans ma position, très facile, je le sais. Si c'est dans un mois, c'est dans un mois. Si c'est dans un an, c'est dans un an. Mais je crois que c'est le plus tôt possible que cet effort de réparation doit être tenté. J'ai tendance à penser qu'il est, ce serait un effort plus naturel aux Israéliens qu'aux autres. Est-ce que c'est une raison pour ne pas impliquer les autres? Je n'en suis pas sûr, mais... Voilà, et il y a des groupes en France et en Israël qui déjà essaient de maintenir des liens, mais c'est là que vous savez plus que moi, vraiment plus. Merci beaucoup. Merci, j'espère ne pas... Merci beaucoup à vous tous. Toda rabba lachem shebatem. Nitrei ba'eroim abayim. Merci beaucoup.